Salut tout salut et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo magnifique que vous attendez tous pour ceux qui suivent mes lives. Alors comme vous le savez, ceux qui suivent mes lives, je suis totalement en train de refaire mon suite. Et donc du coup les gars, je suis vraiment en train de tout changer dans le setup. Alors je vous explique comment ça se passe. Au début je me suis dit écoute, c'est quoi, je vais faire les travaux tout seul, tout ça, je vais faire comme un grand, genre c'est le mec qui fait les travaux tout seul, c'est qui connaît tout. Mais en fait non, pas du tout, je suis pas du tout expert en ça. Et franchement c'est chacun son métier. Et t'as le combi, t'as le machin. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que en fait j'ai commencé à faire les travaux tout seul. Et c'était vraiment dégueulasse, vraiment horrible dégueulasse. Je vous mets quelques petites photos, voilà, qui apparaissent un peu ci, un peu par là, un peu par là. Et par la suite j'ai décidé tout simplement, en gros, de contacter un professionnel. Alors franchement, là je tourne cette vidéo après du coup avoir fait tout simplement, bah en gros, les travaux, etc. Après que les travaux soient finis. Donc là je tourne l'intro, les travaux sont déjà finis. Enfin, il n'y a pas tout le setup, mais vous allez voir, vous allez comprendre. Parce que ça va être une petite série où du coup vous allez voir tout le studio, comment il va en gros s'améliorer, quand je vais recevoir tout le nouveau matos, etc. Parce que c'est quand même un gros budget. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus les gars. Donc du coup j'ai contacté l'entreprise JV Déco et je vous mets en description le lien de leur site si vous êtes intéressé. Alors JV Déco, ils font quoi les gars? Ils font vraiment de tout. Ils font travaux de peinture, ils font tapisserie. Donc moi j'ai fait en fait un peu de tapisserie mélangée avec la peinture. Donc en gros ils ont posé la tapisserie puis ensuite ils ont mis de la peinture. Vous avez plâtrie, vous avez faux plafond. Pour ceux qui kiffent les faux plafonds, moi c'est un truc que je kiffe. D'ailleurs voilà, future maison avec des faux plafonds. Ça, on va faire appel à JV Déco. Je rappelle, le lien est dans la description. Ils font de la déco d'intérieur, ils font vraiment pas mal de choses. Donc si vous êtes intéressé, vous êtes du secteur de Nancy, Lunéville, dans les Vosges, etc., n'hésitez pas. Vous avez le lien, vous pouvez faire appel à eux. C'est vraiment des professionnels. De toute façon, vous allez voir l'amélioration avant, après. Vous allez dire, ouais, ils sont vraiment trop forts. Donc, je compte sur vous. En tout cas, nous, on va se retrouver pour le reste de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez suivre cette petite série, à lâcher un maximum de pouces bleus. Et surtout, si les gars, il y a une petite surprise, peut-être que la vidéo de demain ou lundi, je vous tiens au courant. Il y a une petite surprise, de toute façon, vous allez me suivre sur Instagram, vous allez voir. En tout cas, voilà. On va se laisser du coup pour le reste de la vidéo et on se retrouve bah, tout simplement à la fin pour la... Bon, voilà. Là, on est avec la vraie équipe de JV Déco et là, je peux vous dire que ça va être magnifique. Parce que regardez quand même, avant, c'était un peu... Bon, là, on a tout enlevé hein, parce que je vous ai pas montré la catastrophe. Donc là, les gars, ce que vous voyez, en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire moi. Regardez les couches que j'ai mis. J'ai mis des couches sur des surcouches. Les finitions sont horribles. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à un pro. Et voilà, c'est mieux, tout simplement, c'est mieux, tout simplement. Et du coup, vous voyez, c'est quand même sympathique. Mais moi, je suis peut-être, voilà, pro GTA. Et encore, ça, c'est entre guillemets. Mais moi et les travaux, c'est pas trop ça. Il y a tout qui va partir, hein, tout le noir va partir, ça va être tout blanc. Et ensuite, on va remettre du noir. Il y a le matos qui est juste là. Voilà, JV Déco. Ici, c'est JV Déco. Là, on est sur une peinture de couleur noire et c'est une couleur en velours. Ça va faire un peu mat comme ça. Et là, il y a le petit papier peint qu'on va poser dessus. Alors, je sais pas si c'est. Ouais, c'est ça. Je vous montre pas, mais. Voilà, c'est ça. Ça ressemble à ça. Et dessus, il va y avoir cette peinture. Voilà. De toute façon, je vous ai parlé juste avant hein, dans l'intro. Voilà, si jamais vous êtes encore intéressé par JV Déco, ils font vraiment de tout. Je vous ai tout expliqué en début de vidéo pour ceux qui sont intéressés. Voilà, si vous avez loupé le début de la vidéo, n'hésitez pas. Et moi, j'ai une tête éclatée parce que je viens de me réveiller. J'ai pas dormi longtemps. J'ai 4 heures de sommeil, donc je peux vous dire que je suis KO. Bon bah les gars, ça avance plutôt bien. En vérité, là, on a juste enlevé tout ce qui est bah, tout simplement papier peint, parce qu'il y avait du papier peint dessus. Donc là, le mur, il n'y a plus de papier peint dessus. Là, regardez, hop, là, je touche, c'est vraiment que du mur. Et vous allez voir, là, c'est avant. Regardez, je vous fais une petite vue d'avant. Voilà, ça, c'est avant. Et on verra bien après comment ça va se passer, les gars. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, parce que là, après, il va y avoir la couche, comme je vous ai dit, qui va venir ici. Donc, ça. Juste là. Il y a ça qui va venir juste ici. Et ensuite sur ça, il y aura la peinture les gars. Et je peux vous dire ça va être magnifique.
Donc voilà, on attend de voir la suite et puis on se retrouve après. Donc là les gars, on vient de poser la première couche, donc c'est la couche de papier peint. Donc en gros, c'est ce qui va tout simplement remplacer ce petit mur qui est dégueulasse. Donc là, vous avez le mur, je sais pas si vous voyez bien, et juste à côté, hop, je sais pas si vous voyez la différence. Alors je vais essayer de vous montrer la différence. Voilà, vous voyez, ça c'est mur, ça c'est, bah du coup le papier peint quoi. En gros, sur ça, ça sera en noir, on peindra du noir dessus. Mais déjà c'est magnifique, regarde c'est tout lisse. C'est comme si c'était un mur en fait. Regardez, c'est tout lisse. Donc voilà, j'attends de voir la suite et je vous refilme quand tout sera fait. Bon, du coup les gars, on est clairement quasiment à la dernière étape. Parce que là, il vient seulement de poser. Il vient de poser, les gars, le quoi à votre avis? Il vient de poser la première couche. Et je vais vous montrer la couleur qu'il y aura du coup dans mon setup. C'est parti. Voilà, regardez. Je sais pas si vous vous souvenez, avant, c'était dégueulasse. Les murs, ils étaient horribles. Ils étaient tout moches, tout blancs, avec plein de taches et tout. Et du coup, on a fait la première couche, comme je vous ai dit. Et regardez là. Voilà. Bon, là, c'est la première couche. Hein. Si vous voyez, ça brille encore et tout. C'est tout à fait normal. Parce que ça n'a pas encore séché. On a ouvert les fenêtres et tout pour que ça sèche. Ouais, je vous montre un peu de... Parce qu'en fait, regardez, ça sera comme ça. Moi, ma caméra, elle sera à peu près comme ça. Et vous aurez le fond noir, là. Voilà. Le fond noir derrière. Vous aurez des décos ici, vous aurez des décos un peu partout. Donc voilà, j'espère que vous kiffez. Voilà, regardez, hop, là vous avez une vue un peu plus dégagée. Et du coup, il y a encore la deuxième couche qui va arriver. C'est pas sec du tout, hein. J'ai pas envie de toucher, mais c'est pas sec du tout. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous kiffez la couleur noire. Voilà, vous aurez mis quoi votre, comme couleur? Moi, je pense que le noir, c'est une bonne couleur. Après, je sais pas vous, mais en tout cas, ça avance tranquillement. Voilà, on est bien, les gars. Donc, du coup, on se retrouve après. Ok, du coup les gars, bon ça résonne hein, puisque vous savez que la pièce est vide. On a fini quasiment la pièce, donc c'est encore en train un petit peu de sécher. Mais c'est quasiment fini au niveau du séchage. Et du coup là en fait il manque plus qu'à installer tout le setup. Mais franchement ça donne vraiment bien. Genre là, bon il y a encore des trucs et tout derrière moi, mais ça va dégager, ne vous inquiétez pas. Je trouve que ça fait stylé. Donc là pour l'instant il y a rien. C'est comme ça. C'est vide, mais vous inquiétez pas, ça va s'emplir petit à petit. L'oiseau fait son nid. Ok, Batman tranquille, installé. Lui, il est installé dans le nouveau setup. Alors, je sais pas si je vais le mettre en déco dans le nouveau setup. J'hésite à le mettre parce que je l'avais mis dans mon ancien setup, pour ceux qui se souviennent de mon ancien setup qui avait fait quand même pas mal de vues, les gars, 1 million de vues. Donc, je peux vous dire que lui, je sais pas si je vais le garder parce que c'est quand même quelqu'un qui m'a suivi pendant des années, les gars. Donc, on va voir. Du coup, les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Je pense que vous avez vu, tu peux montrer un peu les murs. Hein. Vous avez vu, là, on est vraiment, je crois qu'on est 2 jours après et ça a complètement séché, c'est magnifique. Sauf qu'il y a des surprises. Je pense que vous avez vu sur Instagram, je vous ai demandé entre 2 photos, choisir entre 2 décorations, entre 2 graffitis. Et voilà, vous allez voir, je vous dis pas, je vous spoil pas parce que sinon, après, vous pourrez pas suivre la série, etc. Donc la série, c'est le premier épisode actuellement. Il y aura d'autres épisodes que je recevrai, tout le matos, etc. Et du coup, actuellement, bah, Batman, c'est le premier. On peut dire que c'est le premier dans le studio. Bienvenue à toi, Batman. Voilà, il s'allume en plus, c'est magnifique. En tout cas les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus si cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle, merci encore à JV Déco. Vous avez le lien en description si vous êtes intéressé pour qu'il fasse... Regardez, c'est magnifique, regardez. Si vous voulez faire des travaux chez vous, n'hésitez pas à les contacter. C'est une entreprise professionnelle, ils sont vraiment pleins. Franchement, c'est de la qualité, il y a juste à voir ici. Et vous allez voir, là c'est le début. Là, j'ai pas rajouté de déco, il n'y a pas les lumières, il n'y a pas tout. Donc là, ce que vous voyez, c'est une partie du setup. Après, vous allez voir, je vais recevoir des colis, etc. Et je vous montrerai ça tranquillement. Donc du coup, on cesse là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Batman, je pense qu'il peut vous dire au revoir. Lâchez un pouce bleu, voilà, comme Batman là, il a lâché un petit pouce bleu, voilà, pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche. Et moi, je vous dis tout simplement bonne vidéo à tous. Et je pense que je vais faire une petite séance. Attends. Parce qu'en fait, j'ai installé le... Tu penses que je les soulève? Ouais, je pense. Chaud. Pour ceux qui suivent la vidéo de Batman.